Si vous voulez savoir ce qu'est une toupine ou connaître quel est le plus grand lac du Limousin, et ça n'est pas Vassivière, le Cube Limousin vous dévoile tous les secrets de la région. La grande créatrice de mode Coco Chanel a reçu une éducation scolaire et morale dans un établissement religieux situé dans un village corrézien. Ouais. De quelle commune s'agit-il ? Argentat, Aubazine, Bénat, Collonges. À Aubazine. Voilà. Bravo. Créé en 2016, le Cube Limousin est le fruit de l'imagination de deux écrivains locaux. Pierre Carbonnier et Franck Linol ont été sollicités par une maison d'édition pour rédiger les 400 questions. Ça n'a rien de savant ni de prétentieux. Simplement pour amuser les gens et puis leur faire comprendre qu'il y a des petites choses qui sont dans le Limousin, tout à côté de chez eux, dont ils ignorent et l'existence et l'origine, et puis bon, ça n'a pas la prétention d'être une encyclopédie. Quel sportif limousin, c'est pour toi, ça. C'est pour vous, a fait cadeau de son vélo au musée du président Chirac à Saran? Marcel Guittard, Luc Leblanc, Claude Mandonneau ou Raymond Poulidor? Le dernier. C'est-à-dire? Alors, dis-le nous. Alors, Truc Poulidor. Quoi? Le Cube Limousin est une sorte d'hybride entre le Trivial Poursuite et le jeu de loi. Les questions tournent autour de quatre grands thèmes: cuisine, géographie, histoire et patrimoine. Après quelques minutes de jeu, verdict avec ces deux nouvelles participantes. Oh bah c'est pas mal, c'est... Enfin, les questions sont un peu compliquées par contre. Parce qu'il y en a qu'on connaît pas forcément. Mais sinon, c'est bien. Pas de nef. C'est ça, elle n'a pas de... Allez, pas de... Allez, oh, allez, allez. Elles sont un peu dures, mais tu t'en es bien sortie quand même. C'est quoi, c'est la chance alors ou... C'est toi qui as gagné. Bah ouais, ça doit être la chance parce que je connais rien du tout. Ah, c'est une question de... gastronomie. Gastronomie. Ah, vas-y. Très répandu sur les marchés du Limousin. C'est un jeu à la fois ludique, mais où notre ambition avec Pierre Carbonnier, c'était que l'on apprenne des choses de façon sympa sur notre région, que nous aimons tous beaucoup. Pratique et transportable partout, le Cube Limousin s'est déjà vendu à plus de 1000 exemplaires dans les maisons de la presse, les offices de tourisme et certains magasins de jeux.